Nous allons continuer l'apprentissage du OB. Alors, donc, apprendre la langue OB de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 8. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Voici la phrase clé, la phrase à l'étude. Lolé joue avec le bébé. Lolé joue avec le bébé. Je rappelle que j'apprends depuis quelque temps la langue OB de Côte d'Ivoire. J'ai déjà fait un cours sur la salutation OB, un cours sur ce qu'il y a dans la cuisine, une leçon sur la monnaie. Depuis quelque temps, j'ai décidé de traduire en OB le livre de français de CP1 des années 2000. Donc, je reprends. Apprendre la langue OB de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 8. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Voici la phrase donc à l'étude. Lolé joue avec le bébé. Lolé joue avec le bébé. Voilà donc on traduit cette phrase-là en OB. En langue OB. Lolé ke djou po fa. Je reprends. Lolé ke djou po fa. Je reprends encore. Lolé ke djou po fa. Je précise que dans mon cours, le O avec accent circonflexe, c'est pour le O fermé comme dans hôpital. Le C renversé, c'est pour le son O. Donc, je reprends. Lolé ke djou po fa. Lolé ke djou po fa. On continue donc à la seconde page. La deuxième page. Traduisons mot à mot la phrase Lolé joue avec le bébé. En français, Lolé, ça reste Lolé en OB. Et comme je l'ai dit précédemment, le O, pour prononcer le O, donc je mets un O avec accent circonflexe comme dans hôpital. En français, quand on dit joue en OB, on dit fa. Avec, c'est un mot français, en OB, on dit que. En français, le bébé. En OB, on dit djou po. Je rappelle que le C renversé, c'est pour le son O. Le bébé, il y a un déterminant. En OB, on ne dit pas les déterminants. Tous les ouais, ils ne disent pas les déterminants. Donc, ils disent simplement bébé. Donc, le bébé, on dit djou po. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur un lien familial pour dire les noms de quelques membres de la famille. La prononciation en OB est mise entre crochets. J'ai donc fait un schéma. Au centre de ce dessin-là, il y a Lolé. Et à gauche et à droite, il y a ses parents. Maman en français, en OB, on dit Man. Je reprends. Man. Le second mot, toujours du côté maternel, la mère de Lolé. Donc, ça c'est en français. En OB, on dit Lolé a Déa. Je reprends. Lolé a Déa. Il y a aussi une forme contractée. Donc, on peut aussi dire ou Lolé AD. Donc, comme dans toutes les langues, il y a la forme entière et la forme donc rapide. Donc, la forme rapide, la forme contractée, c'est Lolé AD. La grand-mère de Lolé. Donc, en OB, on dit Lolé ANAN. Je reprends. Lolé ANAN. Nous venons du côté paternel. Papa. En OB, on dit ba. Je reprends ba. Le mot suivant, le père de Lolé. De façon entière, on dit Lolé a boa. Lolé a boa. La forme contractée, c'est Lolé a bo. Je reprends la forme contractée, Lolé a bo. Le grand-père de Lolé, c'est Lolé a méan. Je reprends. Lolé a méa. Nous passons à la page suivante. La petite sœur de Lolé. On dit en OB. Lolé a dei nyono pao. Je reprends. Lolé a dei nyono pao. On passe au mot suivant. Le petit frère de Lolé. Lolé a dei nmaou. Je reprends. Lolé a dei nmaou. Alors, quelquefois, on peut dire Lolé a dei pour la petite soeur ou bien Lolé a dei pour le petit frère. Mais là, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Donc, les précisions
vient donc après l'olé adi nyonong pao, on dit que c'est une fille. Et l'autre, le petit frère, l'olé adi namaou. On passe au troisième mot de cette page, la grande sœur de l'olé. En obé, on dit l'olé adjro. Je reprends, l'olé adjro. Le grand frère de l'olé. En obé, on dit l'olé a fin. Je reprends, l'olé a fin. On continue avec le second mot, le mot suivant. Mon grand-père, comment on dit mon grand-père en obé, c'est un méan. Je reprends, un méan. Ma grand-mère, comment on dit ma grand-mère en obé, on dit un an. Je reprends, un an. On passe à la dernière page. La femme de l'olé. On dit en obé, l'olé a nyonon. Je reprends, l'olé a nyonon. Au mot suivant, la mère de la femme de l'olé. L'olé a nyonon de. Je reprends, l'olé a nyonon de. Le père de la femme de l'olé. En obé, on dit l'olé a nyon bo. Je rappelle que le O avec accent circonflexe, c'est pour le O fermé. Donc, le père de la femme de l'olé, l'olé a nyon bo. Le mari de Rosine. On dit en obé, Rosine a koan. Rosine a koan. Mon beau-parent. On dit en obé, en bia. Je reprends, en bia. Au pluriel maintenant, mes beaux-parents. Un bia oui. Je reprends. Un bia oui. Je vous dis merci.